Qui serait Jeanne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle porterait? Quels seraient ses combats? Les collections des musées de la ville reflètent complètement ce lien entre la ville et Jeanne. Le musée historique, notamment, recèle environ 500 œuvres qui représentent la Sainte. Le plus ancien portrait de Jeanne a été réalisé par Thévé et en fait représente la Jeanne guerrière, la Jeanne en armure, qui va être vraiment l'iconographie, le modèle à partir du XVIe siècle. Cette Jeanne a les cheveux longs, est assez féminine, mais a un apparat masculin de guerrière. Cette image en fait, de Jeanne va évoluer. Les artistes vont passer à la Jeanne aux cheveux courts, avec une coupe au bol très courte. Ce tableau, qui date de 1581, a servi de modèle et a été maintes fois copié et décliné. C'est le plus ancien portrait peint de Jeanne. On voit Jeanne tenant son épée fleur-de-lysée et puis également avec le chapeau à panache, qui est symbole de victoire, le collier de noble dame, une tenue Renaissance, en fait 16e siècle, un petit peu légèrement fantasmée. Les portraits de Jeanne en cavalière vont abonder. On va retrouver sur les places publiques différentes personnalités, héros de la nation, qui sont là pour incarner en fait la République qui se met en place. Et Jeanne va trouver tout naturellement sa place dans cette statuaire officielle. Marie d'Orléans va créer un vrai modèle iconographique de Jeanne. C'est la Jeanne qu'on va retrouver devant l'hôtel Groslot à Orléans, c'est-à-dire la Jeanne avec les cheveux courts, en armure, mais qui finalement ne représente pas la Jeanne guerrière. C'est une Jeanne pensive, une Jeanne totalement inspirée, en méditation, et qui finalement est la première Jeanne romantique. Jeanne aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle porterait, quels seraient ses combats? Je me suis dit qu'elle n'aurait pas de pantalon d'homme, en revanche, elle aurait justement les seins nus. Sans forcément faire des références aux femmes ou des choses comme ça, il y a quand même une dimension derrière et surtout ce qu'on ne se rend pas compte, puisque c'est trop stylisé, mais elle est en ceinture de chasteté. Donc du coup, il y a aussi cette ambiguïté qu'elle avait d'être en avant et en même temps de défendre d'autres genres de valeurs. Ce serait quelque chose d'assez ambigu aujourd'hui pour une femme qui aurait un combat d'avoir comme valeur aussi la chasteté, par exemple.